Bienvenue. Alors, nous voici ce matin au parc Henri. Alors, nous sommes là. Ici. On va essayer de faire un petit tour là, on va essayer, donc là du coup il faut que j'aille au-dessus. On va essayer d'aller là. Là je vais vous montrer une vue. On va essayer de voir. Donc là ça sera à droite, on montera et après, d'accord, ok. Allez, c'est parti. Donc je sais qu'il est très tôt, je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de monde ce matin, parce que nous sommes dimanche, le premier dimanche d'août, je sais que c'est compliqué. Moi je me suis réveillée, j'ai vu qu'il faisait beau temps, je me suis dit faut que j'y aille. Regardez ce soleil, il est quoi? Il est même pas 8 heures. Et ce que je voulais faire à l'origine, c'était de choper les premiers rayons du soleil en haut du parc. Mais là, j'ai une demi-heure de retard. Donc du coup, c'est pas grave. On va quand même essayer d'en avoir un peu. Ah, attention, il va y avoir du soleil. Ah, ah, des petits parcs qui sont cachés. C'est un parc... je sais pas si vous voyez. Un petit parc, une petite maisonnette au loin. Bonjour le Berdure. Bonjour. Voilà, on est sur la route donc je me montre. Ah, c'est, je suis déjà fatiguée. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai une grosse montée pour arriver ici de chez moi ici. Donc je suis déjà fatiguée. Et puis je suis pas sportive. Je suis à l'image même du gamer qui bouge pas. Donc du coup ça me fait du bien. On entend le camion poubelle au loin. Ça va? De si bon matin? Je vais peut-être retirer mon... Alors j'ai oublié plein de trucs. J'ai oublié ma coque. J'ai oublié mon trépied. Du coup je peux pas poser mon stabilisateur. Et mettre toutes les bestioles qu'il va avoir. C'est un parc protégé. Là, vous allez voir. C'est un parc qui a été... qui a vu plusieurs propriétaires. Il y a toute une histoire. Je l'ai lu vaguement hier, mais là... on ne se souviendrait pas. Je sais qu'il y a eu pas mal d'écrivains qui sont venus par ici. Comme Émile Zola, tout ça. Je crois qu'il y a un très très vieil arbre aussi qui a été planté en 1840. Ah, j'ai trop chaud. J'ai déjà chaud. Alors, gauche, droite, logiquement c'est droite, si on suit bien le plan. Ah oui, non, ça va être gauche. Oui, moi je vais aller au poste de garde. Vous voyez ? Bonjour ! J'ai bonjour, mais je... J'ai déjà épuisé. Ça fait même pas 10 minutes que je marche.
Attendez, il faut que je retire mon... J'ai pas de trépied, mais j'essaie de vous poser en délicatesse quelque part. Ah non, je vais vous mettre... Enfin, non, je vais pas vous dire où je vais vous mettre, sinon... Hop. Bon. Hop. Faut pas que je bouge les jambes. Faut pas que je bouge les jambes. C'est bon. Attendez, je vais en profiter pour accrocher mes cheveux aussi parce que en fait je m'attendais pas à ce qu'à... Ah, vous êtes en train de tomber petit à petit là. Ce sont mes genoux qui vous portent. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Et voilà. Bonjour. Alors je vois le pseudo, mais sauf que c'est écrit en écriture pas européenne quoi. Du coup je peux pas dire. Je sais que sur Twitch c'est écrit entre parenthèses. Regardez comme c'est joli. Ouh. Une belle allée. Alors là on est en hauteur. Et ici parfois il y a quelques fêtes. Les fêtes de la guinguette de Plessis-Robinson. Des fois ils vont mettre là une grande roue. Alors je crois que c'est un week-end, le week-end du 14 juillet, tout ça. Alors c'est pas ici qu'ils font le 14 juillet. Vous pouvez vous en douter avec tous les arbres. Ça prendrait vite feu. Des activités, des événements assez sympathiques. Ça va me manquer de quitter cet endroit. Bon, je vais pas bien loin, mais quand même. Lui, il trône. Je vois pas de petites plaquettes. J'aurais bien aimé lire si... Parce que je crois qu'il y a un séquoia aussi qui vient de je ne sais où. Et... Vu comment il est seul là, ça aurait bien. Il y a ce soleil là. Je vois plus rien. C'est magnifique. Et là, vous pouvez entreapercevoir. Je lève le bras. Une magnifique vue. Le sud. De l'Île-de-France, regardez le sud de Paris sous les premiers rayons du soleil. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure vue encore. Et là-bas, ça c'est un groupe de ruches. Je crois qu'il y a une dizaine de ruches. Une dizaine de ruches et je crois qu'il y a 60 nichoirs dans tout le parc. C'est monstrueux. C'est très bien. Vous avez vu, hein? J'ai chaud, au secours. Ah, super. La fille qui sait pas se présenter quoi. Je vais essayer de marcher là où ça fait moins de bruit. Pour écouter un peu. On va aller dans la forêt qui est là après. Il y a des gens qui courent au petit matin. Une dizaine de Russes de quoi? Ah.
Là, le truc pour faire la vue, pour voir. Ah, attendez, je tourne. Attention, je vous tourne. Ah, je vous tourne. Donc là, ça explique vaguement le parc. Donc nous, on est ici. Bon, c'est bizarre comment on s'est fait du coup, parce que là, c'est pas très. Et là, il nous explique vaguement tout ce qu'on est censé voir quand on est à cette place précisément. Alors, je vais essayer de retranscrire ça. On va commencer par là. Donc, l'Est. La ville de l'Île-et-Rose. Une église de Sceaux. Choisis le roi beaucoup plus loin. Là, si vous voyez une masse là, ici, ça va être. Attendez, est-ce que je peux faire un zoom? Est-ce que vous voyez là? Là, il y a une masse de forêt. Ça, c'est le parc de Sceaux. Le parc de Sceaux, vous allez avoir Orly un peu derrière, beaucoup plus loin. L'aéroport. Normalement, derrière l'arbre. Donc l'aéroport, vous allez voir peut-être là ici les pistes au loin. Hop. Après là, vous allez avoir Antony par là-bas. C'est là où je vais habiter. Là, il commence à y avoir plusieurs gros immeubles. Ça va être Massy, Longjumeau. Là, il y a un petit peu de Châtenay. Avec. Mince. Par là-bas, ça va être la vallée aux loups. C'est ce qu'on avait vu il y a quelques semaines. Et plus par là-bas, mais là, on ne voit pas. Mais ça va être tout ce qui va être la forêt de Verrières. Donc voilà. C'est pas mal, hein? La roseraie de l'Île-et-Rose. Faudrait que j'aille voir. Moi, j'ai fait juste un stage là-bas. Et pas la roseraie. Ah! On voit un avion, vous le voyez là? Ouais. Excusez-moi, c'est le matin, j'éternue toujours le matin. Là! Vous le voyez là, le petit avion? L'avion qui. Ah, on voit la tour de contrôle, c'est vrai. Je suis en train de regarder le plan en même temps. Hein. La tour de contrôle, là, en plein milieu, ce que vous voyez là. Ça, c'est la tour de contrôle, le petit zigouigoui là. Tour de contrôle de l'aéroport. Hop, oula. Il faut que je retire le gros plan du coup, excusez-moi. Mince. Mince, attendez, j'arrive pas à dézoomer. Hop. Faut y aller doucement avec la technologie. Hein. Hop, on y va doucement. Hop, on y va doucement. C'est bon là? Allez donc. C'est bon là ou pas? Ah non, il y a encore. Ah, la vache, j'étais au maximum du zoom maximum ou. Excusez-moi, je maîtrise pas bien mon engin encore. Ok. Par là-bas, il n'y a rien d'intéressant. Enfin, je veux dire, il y a un parc. Il y a un parc pour enfants là-bas derrière. Donc. Moi, je vais habiter là-bas. Ça, c'est un peu moins vert, mais bah, c'est là où il y avait le parc de la Noisette que je vous avais montré aussi. Quand j'habiterai là-bas, je vous ferai un tour au parc de la Noisette. J'ai envie de faire aussi une petite session la coulée verte. Parce que la coulée verte passe à côté. Et il y a aussi la forêt de Verrières. Qui est sympa comme toi. Je me suis un peu arrêtée là, du coup j'ai un coup de frais là.
va continuer tranquillement. Et là, on va aller ici, dans la forêt. Là, c'est vraiment parfait, il n'y a personne. On est bien là. Il fait frais, donc la promenade est très agréable. Je savais très bien qu'il y aurait que des vraiment les matinaux. Hop. Je suis en train d'emprunter un chemin qui s'appelle le chemin des quatre forêts. C'est une sorte de chemin de randonnée qui passe par quatre forêts dans le département. Donc il y a le parc Henri Sellier où je suis, je crois qu'elle avait le Loup, la forêt de Verrières. Ça fait tout un petit chemin comme ça. Ah, attendez, regardez, ils font la technique des champs. Certaines parcelles du parc sont provisoirement fermées pour permettre le décompactage et la régénération des sols. Comme pour les champs, où les champs ils les laissent pendant quelques années, je crois, ou au moins pendant une année, je sais plus exactement, je me souviens plus de mes cours. Ils les laissent un peu à l'état sauvage pour que le sol se remette un peu de tous les minéraux nécessaires, tout ça, qu'il soit riche à nouveau et pas trop pompé. Ah, personne de l'entretien. Nous nous dirigeons vers le théâtre de verdure. C'est une sorte que faisaient les Romains en plein air. Mince, j'ai oublié le mot. Il y a une dame qui me suit. Je vais la laisser me dépasser. Parce que je suis lente. Eh oui. Trop haut. Et dire qu'on est proche de Paris, où je vis actuellement, il suffit de me prendre le RER et en un quart d'heure, je suis au cœur de Paris. Quand même chouette. Ah, il y a monsieur, je vais tourner la caméra. Bonjour. Des petits chiens là-bas. Ils écrivent, ah ouais, parce qu'il y a pas mal de troncs d'arbres. Et en fait, ils expliquent qu'ils sont en train de couper des chênes. Parce qu'en fait, cette forêt a été. Attendez, il y a des gens qui arrivent. Cette forêt a été. A été touchée par la forêt de. La. Tempête de 1999. Bonjour. Bonjour. Vieux pantalon, mais c'est pas grave. Oui, mais t'es pas bon. L'éducation. Dans tes soins. J'aime bien les animaux, alors. Puis là, je suis habillée comme un sac, alors je m'en fiche, mais c'est vrai que je comprends parfaitement qu'elle veuille que l'éducation soit
soit clean. Mais au moins ça la rassure quoi. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas du tout d'où ça vient. Ah bah ça se répond de l'autre côté. Vous voyez là, ils sont en train de... Ça, c'était des arbres qui devaient être sans doute un peu dangereux. Hop. Et là, tout droit, devant nous, on voit à peine les murs blancs, là. C'est les bâtiments, les habitations du Plessis Robinson. Là, normalement, on va arriver au fameux théâtre vert. Théâtre de verdure. À gauche, il y a une sorte de parc canin, vous savez, les petits parcs où belle surface, là, ils peuvent bien se balader. Par contre, en tant que maître, je n'oserais pas trop y aller parce que je sais qu'il y a plein de crottes. Ouh là, là, on descend. Qui dit descendre dit qu'à un moment donné, il va falloir remonter. Bon, sinon ça va vous? J'ai la tête du matin, hein. J'ai les yeux pas bien ouverts. Il est quoi? Il est 8h11, ouais, je me suis réveillée à 1h. Chez moi pour partir vu que je suis au rez-de-chaussée. Je voulais pas réveiller le colocataire. Du coup j'ai passé par ma fenêtre. Parce que la porte elle fait un peu de bruit quand même. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc du coup, je vais passer ma matinée à monter et à descendre. T'habites dans le coin, le Berdure, pour connaître la île Rose comme ça? En plus, Plessis Robinson, c'est une ville qui est tellement jolie. Théâtre de verdure, c'est bon. On y arrive, doucement mais sûrement. Ah, je crois même que je le vois, je suis pas sûre. Les acteurs principaux s'entraînent, comme vous pouvez entendre. Ah, j'ai trouvé. J'imagine bien de belles scènes ici, en 1800 et quelques, avec les dames qui avaient des belles robes, les écrivains, le beau monde. Il devait très certainement y avoir... Je passe par où? Faut que je traverse là comme ça? Bon bah allons-y, hein, traversons. Je m'attendais à un petit chemin mais on va passer par la forêt. Là c'est une autre entrée encore qui donne face à un autre petit. Il faudrait que je vous fasse visiter le Plessis Robinson, c'est tellement beau. Ah non, il y avait une...
J'avais l'impression que c'était de l'eau qui coulait, mais en fait c'est plein de petites feuilles qui tombent, c'est très très joli. J'entends toutes les feuilles qui tombent. Et voilà le magnifique théâtre de verdure. C'est pas mal, hein? C'est super joli. Très joli. Je vous ai vu. C'est pas cette petite hirondelle. Est-ce que vous voyez comment c'est fait? Et là, j'ai confiance, hein. Je regarde pas vraiment où je marche, mais les gens sont tellement propres ici. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, mais ce sont des oiseaux qui font... Oh, des perruches! Ou des semblants de... Et c'est eux qui sont en train de tout dézinguer là, attendez. Est-ce que vous les voyez? Attendez, faut que j'en trouve. Attendez. Ceux qui défoncent tout en haut. Là! En fait, il y a le texte, il y a le chat, j'arrive pas à voir du coup. Là, on le voit bien, là. Au soleil. Il y en a un qui est au soleil. Mince, j'arrive pas à repérer. Ah, si, vous l'avez vu, là. Ah, c'est bon, j'ai repéré. Ouais, c'est un peu dégueu, en fait, le zoom. Vous les voyez? Il y en a plein en fait. J'en vois une, deux, trois, quatre. C'est des perruches, qu'est-ce que c'est? Des grosses perruches. Incroyable. Ils sont tous en train de bouffer l'arbre, enfin ça doit être un arbre à fruits à tous les coups. Est-ce que je peux pas essayer de monter? Attendez, je vais essayer de monter. Un beau corbeau là qui vient de... Ah, je sais pas si on voit mieux là. Pas l'impression qu'on voit mieux. Ça fait un bruit, au secours. On va essayer de faire le tour doucement. Attendez, est-ce que là vous allez visuellement être malade? Qu'est-ce qu'il faut? C'est un arbre à fruits?
J'essaie de comprendre, excusez-moi, je suis très... Ça doit être plein de petits fruits qui doivent être là-dedans. Ils sont en train de bouffer les fruits des fleurs. Oui, ils sont... Je suis sur une pluie de... C'est une pluie de feuilles, là. C'est spécial, quand même. Ça m'intrigue totalement. Désolée si je bloque là-dessus. Hein. Mais je suis curieuse de savoir ce qu'ils font. Je pense qu'ils sont en train de manger les petites graines. Mais du coup, ça fait un bruit monstre. Ah! Ils viennent de tous partir sur notre arbre. Et sur les là. Ah, oh, j'ai raté ça. Si j'avais pas eu le stabilisateur, j'aurais pu avoir un réflexe plus rapide. Mais là, le stabilisateur, faut qu'il prend son temps, quoi. C'est. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Mais c'est bien qu'il y en ait autant, c'est bien. Ah, on entend la civilisation. Ouh. On va remonter par là. Ah, il fait sombre. Il fait sombre les champs. Il fait sombre. Une heure de pique-nique. Ah, le beau corbeau. C'est bon. Je crois que j'avais touché au chat. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Les nichoirs sont destinés aux oiseaux cavicoles, c'est-à-dire des oiseaux qui nichent dans des cavités. Ah, il nous explique bien. Nous, nichoir à passereaux et nichoir à grimpereaux. Ils mettent à chaque fois. Bonjour Maxime! Bonjour et bienvenue. Ils font le remake de Merlin l'Enchanteur. J'ose pas bouger, je veux pas les embêter. Je suis filée. On va essayer de passer là. J'ai vu que ça a enregistré. Les petits écureuils. Ah, oh, ils sont trop. Ils étaient adorables, j'espère que vous les avez vus. Stick et la petite écureuil. Il recommence. Je fais quelques plans parce que j'aimerais bien récupérer toutes ces images et tenter de faire
des petits montages. Alors là, je ne sais pas où je vais. J'ai bien envie d'aller m'aventurer là. Genre là. Mais je sais pas où est-ce que ça va m'amener. On tente ? Allez, on tente. C'est pas fermé. Donc j'ai le droit, normalement. Ah mince, je me trompe de bouton à chaque fois. Désolée. C'est ce que je vois. Je crois que c'était bloqué vu d'en bas. Ah, ils expliquent qu'ils ne sont pas dangereux. Il est mignon ce petit chou. Il y a des... Tout le long du... Comme ça, c'est pour laisser... Alors, je vais pas dire de rivière, parce qu'il n'y a pas d'eau actuelle. Là, je suis vraiment... Faut que je me sorte d'ici. La 4G qui passe pas, quoi. Zut. Je suis désolée, j'essaie d'aller plus vite. Je vais essayer de... C'est mieux là. On est sur un... Ah! Bon, j'espère que c'est un peu mieux. J'essaie de quitter la forêt. Je suis sur une route. Est-ce que c'est mieux par hasard? Oh, je suis désolée, hein. La 4G, elle passe pas partout. Et là, j'étais vraiment dans un coin de forêt où il n'y avait pas grand-chose. C'est mieux. Je suis désolée. Là, je suis sur un accès, une route. Ça a l'air d'être mieux. Peut-être... Parce que j'étais vraiment dans la forêt juste avant, là. La 4G. La tête. Ah, fan de gaz. C'est pas facile de faire la tête, hein. Moi aussi, j'ai... Sur le Discord, j'ai une emote comme ça. Donc bonjour Vicente, vu que ça a dû sauter au moment où j'ai dit bonjour. Ah, j'espère que vous avez vu les petits écureuils. Ouh, c'était trop mignon. Des fois j'hésite entre faire des vidéos toute seule dans mon coin, où je suis sûre que tout passera, et faire des choses en live. Il y a un truc qui fait du bruit, j'aimerais savoir si c'est quelque chose... Non, c'est une pie. J'ai du mal avec les pies. Les pies, elles font pipi sur mon chat. C'était mignon, oui. C'était trop mignon. Mais ça fait vraiment un bruit, c'est très bizarre. Et si on allait par là-bas? What? Ouais, pour mon chat, c'est ça. Ouais, une fois, je les ai vus. Mon chat, il sort en fait. Et parfois, il squatte devant la fenêtre, il fait sa vie, quoi. Et à un moment donné, j'entendais comme ça, le bruit des pies qui sont en mode slash PVP, tu vois. En mode slash duel. Et. Attendez, il y a une dame.
Bonjour. Est-ce que c'est encore les espèces de perruches là qui font tout tomber? Ah ouais. Non, on voit pas assez. Vous les voyez ou pas? Ils sont en train de bouffer tous les arbres comme ça. Petit truc. Là, en plein milieu, là, l'écran. Et là, ils le font sur tous les arbres autour. Mais tous. Ceux qui font tomber toutes les feuilles, là. C'est ouf, quand même. Sérieux. Regardez toutes les feuilles qu'il y a là. Qu'il y a par terre. C'est eux qui les désinguent. De perroquet perruche ou je sais pas trop quoi. Il s'arrête pas, je me suis entourée. Oh là, on le voit bien lui. Vous le voyez là? Il y en a deux. Ah mince. Attendez, j'arrive plus à... Vous voyez comment ils font tomber les trucs? Bonjour. Je fais rire une dame parce que je suis en train de regarder des oiseaux dans un arbre. On peut pas admirer la nature. Bon, par contre, j'ai mal au cou. Alors, on va arrêter de regarder. On va aller par là, tiens, on connaît pas par là. C'est bizarre ce bruit que ça fait du coup. J'ai le droit d'admirer, de m'extasier devant la nature, non, quand même. Ça va être quelque chose quand je vais vous faire le live au parc de Sceaux. En tout cas, il n'y aura pas beaucoup... Enfin, si, il y a quand même de la forêt, mais ce sont plutôt des espaces. Ah, nous sommes dans un parc. Un petit parc pour les gamins. Il y a un petit château. Oh, le château. Eh, ça donne pas envie de s'amuser là. Ah, c'est amusant le sol, ce sont des copeaux de bois le sol. Des petits copeaux de bois. Ah, c'est certainement plus naturel que les trucs en plastoc, je suppose. Qu'est-ce que j'entends là? Ah, ça bosse. Ça bosse. Vous les voyez ou pas? Vous les entendez? Ah.
Ah mince! Ah, je suis désolée, les 4G ça passe pas chez les enfants non plus. Attendez, je trouve. Ah si, c'est bon, il y a une sortie là-bas. On va essayer de se rapprocher de la ville. Bonjour Zekman. Je comprends Vincente. Dès que tu mets un gus tordu, c'est que... Ah non, ils ont fermé là. Mince, Bon, on va passer par là-bas. Je suis bloquée. Ils ont condamné une petite porte là. C'était pour les abeilles. Ah d'accord. Excusez-moi, au moment où t'as mis les gosses tordus, là, les comme ça. Ah, j'ai envie de faire de la balançoire. Mais c'est pour les petits. Bon, après, vous me direz, je suis pas bien grosse, hein, mais quand même. Alors, aire de jeu réservée aux enfants. Oh, on est tous des enfants quelque part, non? Ah, y a des combats de chiens. Bon, ça va bien que ce sont des animaux, donc on dit rien. Alors, nous sommes... Qu'est-ce qu'on a fait, là, depuis ce matin? Alors... Est-ce que je suis au minimum, là, au niveau du... Ouais, c'est bon. Alors, ce matin, on est arrivé... Là. On est arrivé là, on a fait ça, là ici, là je vous ai montré la belle vue, après on est remonté là, tac, et là on est allé ici, le théâtre de verdure, où on a commencé à voir les espèces de perruches, perroquets qui étaient en train de défoncer les arbres. Et là on a fait, je sais pas trop quoi, un truc dans la forêt, un peu perdu, il n'y avait plus de 4G. Et après j'ai traversé là, tac. Là on vient de traverser le parc enfant. Et on va faire comme ça. Je pense bien. Ici ça va être que de la forêt. Donc on va revenir là et on va se balader un petit, on va finir ici un peu tranquillou. Fait beau. Merci, Bay. Merci beaucoup. C'est un plus petit parc hein, que les autres, donc ça sera plus rapide, mais on va essayer de prendre notre temps quand même. Vu que je ne peux plus trop stream de chez moi, j'essaye de compenser d'une autre manière. Là on va arriver à la cabane à glace. Waouh! Oh, la toile d'araignée. Oh, la toile d'araignée. Waouh, je sais pas si vous allez la voir, je pense pas. Ah, peut-être. Vous la voyez ou pas? Là, elle fait... Attendez, où mon doigt? Là, il y a un trait, là, qui fait ça. Tac. Hop, là, triangle, hop, bim. Et là, elle est là. Vous voyez, le truc monstrueux, elle est énorme. Mon Dieu. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle est, là. La propriétaire doit être cachée sous le toit, quelque part. Et dès que ça vibre, elle descend. Et elle défonce tout, je pense. Je pense, hein. Bonjour. Attendez, il y a du monde. Mettre de l'autre côté. Waouh. Oh.
grand soleil. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Et voilà. Regardez. Oh, ce soleil. Bien là. On va descendre. On va aller là où il y a la petite dame. Il commence à voir du monde. Et en toute sincérité, je suis pas encore bien à l'aise. Il y a du monde, de parler à mon portable, parce que là j'ai quand même le stabilisateur, donc les gens me regardent bizarrement. Une magnifique vue sur les remparts. Très vieux rempart. Des vieux rosiers. J'entends encore un avion pas loin là. On est bien là, regardez ces remparts comme c'est joli. Il y a une ville que j'aimerais aussi vous faire visiter. Ça serait la ville de Senlis, qui est en Picardie. Et c'est là où mon père habite en fait. Et j'y suis allée un week-end une fois. Et c'était magnifique. C'est vraiment une ville avec toutes les fortifications, les puits, les églises, même les vieux couvents, les petits châteaux, les vieilles propriétés, les douves, tout est pratiquement intact. Il y a même un théâtre romain. Mais je crois qu'il est ouvert une ou deux fois par an, donc il faudra que je vois. Je crois qu'il est ouvert que lorsqu'il y a la journée du patrimoine. Ça capte bien là. Là on va se diriger vers les ruches. J'ai envie de me poser. Des petits des bétulacés, des bouleaux blancs. Pardon, excusez-moi. On les reconnaît parce qu'ils ont leur écorce blanche. Un bouleau blanc. Bétula alba.
franchement. Bon, et puis évidemment, hein, vous vous en doutez hein, que c'est une ville plutôt riche hein, quand on voit des baraques. Ah, une maison. Hier encore, j'étais en train de faire des recherches pour voir une vieille fermette à rénover, à restaurer pour en faire des chambres d'hôtes. Quelque chose qui pourrait dépayser un peu les gens. Et voilà nos jolies ruches cachées dans la nature. Pas mal, non? Les petites fleurs bleues. Toutes petites. Des petits... explications. Depuis 30 ans, dans le monde entier, des ruchers disparaissent. Destruction des milieux naturels, culture intensive, emploi de pesticides, virus. Sans ce pollinisateur, beaucoup de fruits et légumes disparaissent aussi. Abricots, amandes, cerises, pêches, poires, pommes, prunes, courgettes, melons, pastèques, tomates, poivrons, aubergines, fraises, choux, oignons, persil. Bref, notre alimentation et notre santé dépendent des abeilles. Nos petites abeilles. Voilà. Nous avons fait un bon petit tour. Ça fait une heure que je marche. Ah, pour les courgettes, tant pis. Bravo. On a fait ce qu'il fallait, hein, je dirais. Voilà. On a fait notre petit tour, c'est ce que je voulais. Je voulais être là pour les premiers rayons du soleil. Mission accomplie. Bon, c'est pas les premiers, c'est les seconds, on va dire. Voilà. C'est beau, hein. Ah là là, le soleil dans le dos, c'est agréable. Parce que oui, moi je vais pas avoir de vacances, donc forcément je profite. Ah, des coquelicots. Là, ils sont en train de. Ouais, mais on va pas voir grand chose en haut. Vous voyez, il y a plein de petits arbres tout le long. Ils sont en train de s'occuper de ça aussi. Bon, on va sortir de la pelouse. On va la laisser se régénérer. Avec le soleil dans le dos. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que beaucoup vont regarder surtout la rediffusion et qu'ils ne sont pas encore réveillés. Mais moi, quoi qu'il arrive, week-end ou autre, moi à 7h. Oula, il y a un gros avion là. Très gros avion. Je sais pas si vous le voyez d'ici. Vous voyez, qui est en train d'atterrir. Hop là, il a atterri. Bon, là, on le voit plus trop, hein. Ouais.
Hop. Le pilote nous fait signe. Hey, salut. Ouais, non. Là, ça va être vers chez moi. Ça sera vers chez moi. Peut-être qu'on voit. Eh, je crois. Ah, je vois les deux tours où j'habite. Où je vais habiter. Attendez. C'est un truc de dingue. C'est là en fait. Je crois que c'est ça. Ah, c'est ça. J'essaie de vous montrer, mais je suis pas sûre d'un. Normalement, c'est ça. Hein, je crois. J'ai l'impression de les reconnaître. Mince, j'arrive pas. Je crois que les deux tours du milieu là. Attendez, il est où mon doigt? Ah, trop gros, trop gros, trop gros. Là, les deux tours là, mince. Je crois que c'est là. C'est pas génial, hein, je sais, mais. Je crois que c'est ma future résidence. Hop, hop. Je crois bien parce que c'est de l'autre côté. Ah, je sais pas. Ou sinon, c'est par là-bas. Non, mais d'ici, c'est trop loin, peut-être. Mais ça m'étonnera pas que ce soit ça. Hein. Pas loin ou quelque chose qui ressemblerait en tout cas. C'est petit. Ah oui. Je ferai un petit tour. Il est beau celui-là. Il est tout tordu, j'aime bien. Il est tout tordu. On va rentrer à la maison. On va voir si je peux faire un montage de tout ça. Bon, j'ai pas fini celui de Chateaubriand. On va sortir. Des gens dans une voiture qui me regardent. C'est très, très perturbant. Ah, là, il y a une dame, attendez, on va pas l'embêter. Coucou canapé stream. Ça va? Oh, je pourrais aller voir ma mère là. Je pourrais aller la voir, ça se trouve. Oh, je vais pas l'embêter de si bon matin. Comme streamial, oui. Regardez, je vais vous. Oh, ils sont en train de. Hop. Il y a. Je l'appelle le château un peu. Ah, regardez la maison de Chateaubriand, Arboretum, domaine de la vallée au loup. Regardez là ce que vous voyez. Il y a un semblant de tour là. Et bah apparemment il y en a qui sont en train de la rénover là. Waouh. C'est une propriété ça. Imagine. Ouh. Ouh, ça donne envie d'aller par-dessus la grille. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oula. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des sortes de. Bizarre. Il y a un truc là. Oh, on dirait une sorte de cave. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez l'entrée là? Là? C'est vrai qu'il y a la lumière, mais je suis pas sûre. Bizarre. Très bizarre.
C'est très bizarre. Hop. Bon, là, on n'est plus dans le parc. Hein. C'est plus le parc Henri Sellier, mais ça reste le Plessis-Robinson. Alors, regardez comme c'est beau. J'ose même pas imaginer la fortune de cette famille. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un chiffre, qu'une boîte aux lettres. Vous voyez ou pas? C'est juste magnifique. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que j'aimerais visiter cet endroit? Est-ce que vous voyez un peu? C'est trop beau. On voit rien. On voit rien, ils ont tout caché. Ouf, ouf. Là, il y a moins de... Attendez. Là. Ah ouais. C'est fou, hein? C'est fou. Ceux qui vivent là, c'est un truc de fou. Là, tout ça, c'était des anciens commerces avant. Ils ont tout condamné parce qu'il y avait du squat. Mais j'aimerais bien entrer hein, pour voir les magasins. Je sais pas trop ce que c'était. Un truc un peu à l'ancienne, ça va être magnifique. S'ils respectent cette ambiance bois, tout ça, ça va être super. Ah, ils ont emmuré là, il y a des murs, on peut pas. On peut pas. Ah, déception! Là, c'est ce qu'ils comptent faire. C'est ce qu'ils veulent faire de cet endroit-là. Vous voyez? Ce serait pas mal, hein? Alors, attendez, moi je suis trop petite, j'arrive pas à voir, mais je vais. Je vais vous soulever et vous allez me dire si vous voyez quelque chose. Vous voyez quelque chose ou pas? Je vois rien du tout moi. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. Et là il n'y a que des feuilles. D'accord. Ah oui, c'était très intéressant donc. Super. Elle était belle ces feuilles au moins. Regardez ces baraques. Secours. Il y en a qui ont des maisons incroyables. Et là, vous voyez, j'ai dû marcher à peine 5 minutes. Et il y a une nouvelle entrée. Et c'est une entrée qui mène à un des passages à la vallée aux loups. Juste là. Une autre branche. Ouais, mais là, apparemment, ils veulent faire un truc à l'ancienne. On a toujours un peu peur des projets immobiliers, en effet. Mais là, c'est une ville de riches. Et ils aiment beaucoup cultiver cette... Regardez comme c'est mignon là. Faudrait que je vous amène à Bièvre un jour. À Bièvre, il y a plein de petits trucs comme ça. Petit côté vacances un peu. Ils veulent cultiver leur esprit village un peu ici. Nature, village. En espérant que la 4G reste avec nous. Sinon, bah, je serai obligée de couper. C'est un peu osé comme garage là. Hein. Parce que là, c'est. On est haut là. Hein.
pas rentrer bourré. Hein. Et là, nous revoici sur la vallée aux loups, donc qui fait à peu près partie du domaine de Châteaubriant. Hein. C'est le même plan en tout cas. Et là, j'ai déjà vu des gens venir pique-niquer ici. C'est vraiment super ce quartier quand même. Je vous avoue que ça me fait vraiment mal de partir d'ici. Le soleil en plein sur le visage, c'est parfait. Je me pose un peu. Là, c'est juste un bout de forêt, il n'y a pas vraiment de parc ou de... C'est un parc boisé là. Là, je vais redescendre. Et mais je crois que c'est un peu casse. Le roi des animaux. Il y aura des... T'habites dans le coin? Je suis au petit bout boisé. Assaut. Ah ouais, en effet c'est pas loin du tout. Je suis en train de cramer là. Ah j'ai... Je vais continuer à avancer. On va essayer de passer par un endroit dangereux, j'espère que je vais pas tomber. On va essayer de... Vous allez voir, il y a une petite pente quand même. Ouais. Est-ce que c'est raisonnable? Je suis pas sûre. Attendez. On va essayer de... Tout va bien. Ça fera un clip. Oh non. Déjà que. Eh, je suis pas tombée, hein, ceci dit aujourd'hui. Hein. Pas de racines, pas de. Après là on est passé au. Oula. C'est bon, je suis pas tombée. Je suis pas tombée, vous avez vu, je suis pas tombée. C'est bon, c'est géré. En fait, il y a un semblant de marche, mais elles sont plutôt dangereuses. Ah, yes. Et roulade. Comme dans le jeu vidéo. Roulade de... Assassin's Creed. On va passer par là. Oh, un barrage. Mon immersion. Oui, alors Zikman, il y a 20 minutes j'étais dans un autre parc et ça captait pas trop. Mais là ça va. Pour l'instant. Vincente. Il est témoin. Vincente. Il est témoin. Qu'est-ce qu'il est mignon ce petit oiseau? Qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout un moineau.
Il y en a un autre. Attendez. Ah! Il était un peu bleu. Ils vont trop vite, quoi. Ils vont trop vite, je pourrais pas vous les montrer. C'est pas non plus la jungle. Alors là, il y a une sortie. Est-ce que je peux descendre encore un peu plus? On va voir. Parce que c'est toujours la même chose, hein, quand ça arrive à la fin du live de ce que j'ai voulu faire. J'ai pas envie de couper, hein, donc voilà. Parc département, d'accord, Henri Cellier. Oh, j'adore le visuel, attendez. Alors moi je suis très dans le visuel des fois, hein, vous savez. Regardez, regardez ce visuel. Ah voilà, les perruches, c'est bien ce que je me disais. Regardez cet escalier qui ondule, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Parfois je m'arrête hein, pour regarder l'écran. Un peu big badaboom. Oh là là, j'ai tellement envie de passer comme ça. Où sommes-nous? Donc c'est pas trop loin de chez moi. Fin de l'Arboretum et de Chateaubriand. Ouais, d'accord, je vois. En fait, pour ce qui est du thème hôpital, alors il m'est arrivé déjà de travailler dans le monde médical. Le côté. En fait. Ouais, il y a un an et demi. Pour notre binôme, on va dire, de jeu. Et on jouait beaucoup à des jeux de rôle. Et un jeu de rôle qui me plaisait beaucoup. En fait, il avait fait un mélange entre Deadlands, donc un jeu qui est sur le thème des cow-boys, on va dire ça comme ça. Ce sont deux jeux de rôle qui n'ont rien à voir. Et il a réussi à mixer tout ça. Pas bon résultat. Et du coup, on a passé des heures à faire du jeu de rôle. Donc jeu de rôle papier, hein, mais via internet. Parce que forcément, lui, il était de Belgique et pas moi. Et au final, on s'est dit, c'est vrai qu'on est dans un... On est dans un truc, un hôpital de fous. C'est assez drôle en pensant à ça. Et ah, ça a coupé, mince. Peut-être en revenant par là. Ah, pour connexion, attends. On va peut-être remonter sinon. Ah mince. Ah, ça capte mieux là. Non, le parc Henri Cellier c'était ce matin et l'arboretum par contre c'était il y a deux ou trois week-ends. Il y a deux ou trois week-ends j'avais fait. C'est mieux là? Ah, ça a du mal hein. Eh, la 4G là. Là je passe entre les. Entre le potager et l'arboretum. Ça capte mieux dans les arbres qu'en ville, mais j'avoue, c'est quoi ce truc? 4G quoi. Là ça capte, je vais rester là en plein milieu de la route. C'est totalement sécure, je me sens bien. Attends, je peux pas choper un banc pour vous expliquer mon histoire là. Il n'y a pas de banc là. Ah ouais, bah s'il habitait là, c'est cool. Hein. C'est vraiment chouette ici. Hein. Donc je disais en gros j'étais avec un binôme. On a fait du jeu de rôle. Ah là, c'est pour connection encore.
Ah, t'habites à côté de la coulée verte? Ah, faut que j'aille plus vers Sceaux. Ah, il y avait la forêt, y a une petite forêt de bambou là. Là, c'est le potager, ça. C'est le potager. Regarde. Mince. Potager à gauche et l'arboretum à droite. Ça, c'est ce que j'ai fait il y a 2-3 week-ends. Ah bah, c'est fermé, tiens, aujourd'hui. Est-ce que je peux me mettre là pour m'expliquer ma... En fait, j'aimerais bien avancer. J'ai pas envie de... Ah, il y vit encore. Bah, il a bien de la chance de vivre ici. C'est magnifique, j'adore. Si je pouvais me lever, là... J'adore. Pour se balader et pour y vivre aussi. Ah, c'est joli comme image, ça. Donc, vu que j'ai l'air d'être perdue au beau milieu de rien, ça a l'air de marcher la connexion, c'est complètement bizarre. Je disais, donc j'étais en binôme, avec ce binôme, on jouait à du jeu de rôle. Ce jeu de rôle, c'est lui qui était le MJ, et il a fait un mélange de Deadlands, donc d'ambiance western, Patient 13. Patient 13, c'est... un jeu de rôle un peu spécial, un peu à la à Cthulhu, un peu basé sur la folie, les trucs comme ça, un peu avec des histoires louches. Il a réussi à mélanger tout ça, c'était super intéressant. Du coup, c'est vrai que pendant plusieurs mois, on était un peu dans cette ambiance d'hôpital, un peu malade, un peu démoniaque, un peu louche. Et du coup, on est allé sur cette histoire, sur cette idée, enfin c'est moi qui ai proposé l'idée, que notre stream soit un hôpital. Mais un hôpital. Oh la vache, il y a quelqu'un qui habite ici. Ou c'est le potager? Alors je vois pas. J'entends la musique mais je vois pas. Attention au chien, il y a quelqu'un qui vit ici, mon Dieu, quoi, ceux qui vivent ici. Oh là là, c'est magnifique. Mince, je voulais vous montrer, mais c'est moi qu'on voit. Oh là 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 là. Je vais pas rester trop longtemps parce que j'ai pas envie de les embêter non plus, mais vous avez vu la propriété? Est-ce que vous avez vu cette propriété incroyable, quoi? En plus, il y a rien là. Oh ya. Waouh, la libellule, ma stock. Vous la voyez, la libellule? Elle est énorme. Ouais, mais là on est en plein dans les... Ah, il n'y a personne, quoi. Je suis toute seule. Si tu savais jusqu'où va cette... Ah, mais c'est un truc de fou, là il a une... Là il a toute une partie de... Parce que ça doit faire sans doute partie de l'arboretum à l'origine. Oh, je sais pas qui vit ici, mais c'est... Waouh. C'est magnifique. Et puis c'est bien entretenu, il y a des beaux arbres. Oh là là. Oh là là. Un peu la folie. Merci, bienvenue au roi des animaux. Ah, on entend une rivière. Oh, il y a un renard. Oh, attendez. Il y a un renard. Attendez. Je sais pas si vous allez le voir. J'arrive pas à zoomer, le texte il prend toute la place. Vous le voyez là? Est-ce que vous le voyez? Il est en plein milieu. Oh la vache. Il est beau. Il est immobile, hein, par contre. Vous le voyez? J'ose pas faire de bruit. Je veux pas l'embêter. Il est trop beau. Mais ça veut dire que la personne qui vit ici, ouais, elle a vraiment un bout de forêt où il y a des animaux qui... Il est beau, hein?
il part. À lui donner des pommes. On a vu un renard. On a vu plein d'animaux aujourd'hui. Je suis contente. On a vu deux écureuils qui se courent après. Un renard, des perruches. Oh, puis il y a des gens qui laissent des vêtements au sol là. Ils sont embêtants ces gens quand même. Oh là 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 là. Écoutez, hein. Fait que de regarder. Hein. Oh, ouais. Hein. On n'est pas tous égaux. Oh, j'ai des frissons. Je viens de voir. Ils ont un petit. Une sorte de. C'est pas un belvédère, mais. Ah non, c'est un petit pont. Oh là là, la fille qui est en train de craquer en live. Mais c'est trop mignon. Attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est beaucoup dans l'esprit de l'arboretum encore. Et je pense que ça doit être. Ils ont dû garder ce côté. Vous le voyez ou pas au milieu là? Un petit pont. Et non, je connais pas. J'ai jamais eu l'occasion de faire vraiment. Est-ce qu'il. Je regarde s'il y a son clignotant qui va à droite, s'il habite là ou pas. Non. Il n'a pas l'air d'habiter là. Monsieur, monsieur, est-ce que je peux visiter chez vous, s'il vous plaît? Je sais pas où je vais, j'ai jamais pris ce chemin là. Je sais pas où je vais. Hein. Aucune idée. Oh là, mais la personne qui vit ici, quoi. C'est fou, quoi. Ah, c'est parfait ce genre de plan où ça tourne dans tous les sens avec la connexion qui marche pas. C'est parfait. Bonjour et bienvenue à Sakiti. Pour une réponse. Du coup, moi, je me suis séparée de ce binôme. On a chacun fait notre chaîne de notre côté. Nous n'avions plus les mêmes projets ou les mêmes idées au niveau des jeux, des projets, tout ça. Et du coup, moi j'ai voulu, vu que c'était quand même mon idée pour l'hôpital. Ah là, c'est la petite cabane où le monsieur écrit. J'ai envie d'aller là, mais d'un côté, j'ai envie de continuer sur cette route. Qu'est-ce que c'est que cette sorte de petite cabane? Il y a un truc avec un moteur là, j'entends, qui tourne. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, j'ai voulu reprendre cette idée d'hôpital. Mais vu qu'on n'était pas deux, mais moi toute seule, je me suis dit, je vais amoindrir l'endroit. Ça sera... Et il y aura moins ce côté démoniaque. Bonjour et bienvenue à... Ah non, on voit pas grand chose. Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je suis dehors depuis 7h30. Alors là, je ne suis plus dans le parc Henri Sellier. C'est juste que je voulais pas couper le live, donc je continue à me balader dans la rue. Voilà. Hello! Et du coup, voilà, voilà pourquoi c'est le thème d'une clinique, parce qu'il y a de l'eau là aussi. Il y a beaucoup trop d'herbe là. Ah ouais. Oh, il y a un petit ruisseau un peu qui sort de... Et là-bas, au fond, c'est chez la personne, je crois, il y a des grillages. Il y a un petit ruisseau qui continue, qui sort... Là, je suis dans la rue, hein, les gens. Je suis dans la rue, là. Enfin, c'est pas vraiment une rue, c'est plutôt un... Oh
Vous voyez, là, je suis toujours... Là, je me dirige vers Châtenay. Et là, il y a toujours ce petit coin de... Petite rivière, là. Tout ça, c'est de l'eau. Il y a même un petit pont là-bas. J'adore les ponts. C'est humide ici. L'herbe, elle est verte. Oh là là, regardez ceux qui habitent là, quoi. Oh là là. Oh. Allez, j'emprunte le petit pont. Ça se trouve, ça, c'est un chemin pour aller chez quelqu'un. Non? Zone naturelle protégée, les Porchères. Nous sommes face à un bel étang. Au bout de la rue, ouais, je sais bien, j'entends de plus en plus les voitures. Ah, il y a mon... Il fait ce qu'il veut. Il tombe tout seul. Bonjour. Il tombe tout seul. J'ai rien demandé pour qu'il tourne. Hâte de tourner. Excusez-moi, les soucis techniques. Il continue à tourner, au secours. Voilà. Non mais sérieusement quoi. Et ben là c'était juste un petit... Comment dire ça? Un petit renfoncement. Possédé par le diable. On y revient à cette histoire de diable. Bonjour, est-ce que je peux visiter chez vous s'il vous plaît? Oh là là. Ça pourrait être concept ça. Il y en a qui dorment chez les gens, il y en a qui... Ben moi ça serait bonjour, est-ce que je peux juste visiter chez vous? Les belles propriétés, tout ça. Vos jardins, vos décorations, propriété privée encore. Oh là 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 là. Ouh. Maison construite en 1856 par Gabriel Croux, pépinériste, maire de Châtenay, de 1868 à 1870. Oui, donc là c'est une propriété privée, mais c'est à la ville surtout. Alors moi je... Mince, pardon, excusez-moi, qui cogne tout. Moi je vis à Châtenay, je vis vraiment à 10 minutes à peine. Moi je suis à la frontière Châtenay-Plessis. Ouais, c'est l'arboretum. Mais ça doit être une entrée. Ça vous gêne ou pas le soleil là? Hein, je vois à peu près où est-ce qu'on doit arriver là. Ah mais il y a peut-être... C'est pas le Truffaut qui est à gauche là ou un truc dans ce goût là? Je sais pas. J'aurais fait tout ça comme chemin. Ah bon? Ah, j'aurais pu prendre le petit chemin là à droite, il y a un petit trottoir. Donc aventurière non, mais ceci dit, le chemin que je suis en train de faire, je l'ai jamais fait de ma vie. Donc je découvre. Truffaut sur la droite. Ah, à gauche c'est la petite résidence, sympa comme tout. Ah d'accord, c'est bon, je vois où on est. Bah moi je vais à gauche pour aller chez moi. Ah ouais, Truffaut à droite. Ouais, c'est bon, je vois. Là on est dans une zone 30. Attendez, il y a une dame qui vient de... traverser du coup. Ah bah mince, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, mais là on va arriver dans la... Ah, il y a un monsieur qui est fan de végétaux. Ceux qui vivent là, là il y a une belle petite résidence calme. Juste à côté du Truffaut.
Et ils sont sur une route là. J'hésite à reprendre la route là-bas pour continuer à parler avec vous. Parce que là, dans la rue, ça va pas être dingue. Qu'est-ce que je fais? On repasse par le côté vert ou j'arrête le stream là? Et quelle heure? 9h30? Ça fait 2 heures que je marche. 1h47. C'est comme vous voulez. Ouais, je vais repasser par là. Je vais refaire le tour et je vais reprendre la rue que je connais pour arriver dans ma rue. Ils sont bien ici. Hein. Oh, s'ils ont des chats, les gens ici, ils vont pouvoir se balader. Donc voilà, j'ai repris ce concept de clinique, mais je voulais que ce soit une clinique à tendance zen. Une clinique qui est bonne pour l'esprit. Pas une clinique de démons ou de fous furieux non plus. Plutôt la clinique, quand on y va, elle fait du bien à l'esprit et à l'âme. Vous voyez? Côté réparateur, on va dire. Ah, les cyclistes. Les cyclistes. Ah. Je fais jamais ça d'habitude, hein. Sortir toute seule comme ça pour me balader. Bah parce que seule, je trouve que ce sont des activités qui se partagent. La preuve, tout le monde est à deux là. Allez, tout le monde fait des activités au moins à deux. Tout seul, c'est un peu plus. Bah, y a pas de souvenirs à partager, quoi. J'aimerais bien voir ce que c'est quand même, ça, les glycines. Bah oui, on est là, nous. Bah c'est pour ça que je fais ce genre de choses maintenant. On va repasser à côté du petit ponton, là. Parce que je me dis, comme ça, je sors. Ça me pousse à sortir, à voir des choses, à quitter mon ordinateur. Vous voyez, le petit ponton, il est là. C'est une façon pour moi, c'est ma thérapie à moi aussi. Fais le tour de Truffaut et va le visiter. Si je suis déjà rentrée dans l'arboretum, j'ai fait il y a 2 ou 3 week-ends. Du château de Chateaubriand, de la maison, la propriété de Chateaubriand. J'ai déjà fait ça. On a vu mince, la cabane à thé là aussi. C'était un de mes premiers vrais projets IRL. Sur Anthony, Verrières, tout ça. Mais ça, c'était plutôt un test pour voir si le stabilisateur était bon, le portable aussi, la 4G, tout ça. Et autant parler dans le verre. Hein. Et mon deuxième vrai projet, le deuxième premier, quoi, on va dire, c'était sa petite cabane de l'arboretum. C'était l'arboretum et Chateaubriand que j'ai fait il y a 2-3 week-ends, je crois. C'était en juillet, ce matin. Petite séance zen verte. C'est vrai? Et vous faites, il n'y a pas de garde de chien, il n'y a pas de. Je
façon, c'est pas les barrières, avec les barrières qu'on a en France, que bien sûr on peut passer au-dessus assez facilement partout. Hein. Après, je sais pas si la visite d'un parc de nuit, voilà, moi je suis un peu peureuse, hein, en toute sincérité. Je voulais faire de l'urbex, mais je sais pas trop si ça va se faire. En plus, l'urbex, c'est quand même des règles à respecter, comme ne pas faire les choses seules, par exemple. Donc, c'est pas super la vue sur les barrières. Je vais vous mettre de ce côté-là, c'est mieux. Voilà. C'est plus sympa. Il y a personne quand t'es là-dedans en pleine nuit, bah t'as le parc pour toi. Ah ouais. Puis il est magnifique ce parc, il y a beaucoup à faire. Quand je vais devoir m'y attaquer, ça va être quelque chose, hein. En faire des heures de marche. Peut-être le faire en plusieurs fois, je sais pas. Parce que ce que j'aime bien, c'est faire ça le matin, un dimanche matin très tôt. Il n'y a pas beaucoup de monde, parce que moi je suis pas encore très à l'aise. Ah, on est enfermé. Des mots footing là-bas. Ah ouais. Mais du coup, t'habites où du coup maintenant? T'es passé d'ici jusqu'à. À où? Est-ce que t'es vraiment dans la ville-ville ou t'es quand même un peu dans la verdure? Change régulièrement parce que ça pèse son poids. Oh, crème la bicette. Oh non. Oh, c'est horrible là-bas. Quelle idée. Pour les études, pour le travail. Ils ont fermé le potager, c'est dommage. Mignon à faire des petites balades en amoureux. Je suis dans le gris. Oh là là, porte d'Italie. Quel enfer cette porte en plus. Oh là là, je connais bien porte d'Italie. Quand j'avais la vingtaine, ouais, 22, 23 ans, je crois. Je sais plus. J'avais un copain à cette époque-là qui habitait à Porte d'Italie, dans un truc, une chambre d'étudiant. C'était pas dingue. Le seul truc positif, c'est qu'il y avait le métro pour avoir accès à Paris, quoi, mais... Lui qui adorait le vert aussi. Bon, c'est bon, aujourd'hui, il est herboriste et médecin, donc c'est bon. Il s'est rattrapé. Il fait des magnifiques voyages dans le monde. Il a un gamin, il a plein d'argent, ça va. C'était juste un petit temps. C'est vrai qu'il était un peu triste là-bas. Moi j'étais... si tu connais bien le Kremlin-Bicêtre, Villejuif, j'étais dans le... Dans le lycée Adolphe Cheriot, un lycée professionnel. C'est là où j'ai fait mes trois ans d'horticulture. Ah bon, je vais passer par la droite parce que tout droit c'est... Ça s'appelle pas des trois pendus pour rien. Vu la montée à 90 degrés, ça va bien. Comme quoi c'était pas loin. Ah, on parle au réseau. C'est vrai ça en plus.
dès qu'on arrive en ville, dès que je sors des... Ici à peu près. Parce que là en studio je vois pas, là il y a que des maisons, mais là je vois qu'il y a des petits trucs ici. Je vois qu'il y a des petits bâtiments. Enfin, c'est fou quand même, dès qu'il n'y a plus d'arbres, je capte plus. La 4G ça pousse dans les arbres, c'est ça? 4G ça pousse dans les arbres. Info sûre. Exact. Ouais bah alors là t'aurais été bien ici. Mais ah oui tu dis acheter carrément. Moi j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acheter une ferme, une petite fermette à rénover, faire des chambres d'hôtes avec quelques hectares autour, un potager, tout ça. J'aimerais trop faire ça. Ah ouais. Le top, ça serait de faire un petit village. Oh, un petit village, un projet qui n'est pas du tout gigantesque. Un petit village avec des gens qui font du vrai pain comme il faut. Un vrai boucher qui respecte ses animaux. Enfin, vraiment un menuisier. Enfin, vraiment le truc, je vais pas dire médiéval, mais avec des vrais artisans. Et des gens qui sont propres, qui respectent un peu tout ça, quoi. Mais bon, ça c'est pas un projet, ça c'est une utopie. Pour pareil. Montagne. Ah. Travailler le bois, j'adore. Il y a des gens qui disent ouais, qu'est-ce que t'aimes chez une femme ou chez un homme? Il y en a qui vont dire les fesses, les yeux, des trucs comme ça. Moi, ce que j'adore, c'est les mains. J'adore regarder les mains. Les mains des hommes. J'aime bien les mains un peu carrées. Un peu carrées et trapues, vous voyez, un peu les mains d'ébéniste, un peu les mains qui travaillent, en fait. De pas abîmer, sale ou blessé. Mais juste vraiment les mains d'artisan, j'adore. J'adore. Eh, chacun ses trucs. Hein. Oh. Là aussi, il y a une sacrée. Je sais pas ce que c'est comme. Qui vit là. La. C'est un classique. Je sais pas qui vit à droite là. C'est pas ce grande propriété cachée. Et là on va bientôt arriver chez moi. Donc ça sera bientôt la fin du stream. Je tape des mains de pièces. Ma rue qui ne sera bien plus bientôt plus ma rue, hélas. Pour l'instant, je suis bien placée. Ouais, mais en octobre, je suis censée déménager. Septembre, octobre, je serai plus là, hélas. Je ne serai plus là. Donc là, j'essaie de profiter de l'endroit pendant mes 2 mois restants.
je vais pas au crème la Bicêtre, hein, c'est sûr, ça restera quand même un petit peu vert, quoi, mais bon, c'est pas du tout la même ambiance. C'est pas la même chose. Mais je pense vraiment que je vais faire ce boulot, mettre des sous de côté un maximum, et j'aimerais vraiment, tant que j'ai encore le corps pour pouvoir faire des travaux, des trucs comme ça, j'aimerais vraiment faire ce projet de maison d'hôte, chambre d'hôte. Ça me plairait vraiment. Alors j'hésite de me rapprocher de Lyon, parce que c'est quand même plutôt sympa. Non, je pars pas loin de la région parisienne, je vais sur Antony, c'est pas loin, c'est juste au sud. Antony, là où il y a le Antony Châtenay Verrières, les buissons qui se croisent, à côté du parc de la Noisette. C'est pas très loin. Hein. Après, si je veux venir ici, je me balade pas comme ça, faut que je prenne mon scooter, quoi. Donc, c'est pas la même ambiance. Je bosse en quoi actuellement? Je suis en période d'essai et c'est pas un métier très prestige, mais bon. Je suis gardienne d'immeuble. Je voulais un métier où j'évite les trajets déjà, parce que j'ai déjà eu un accident en scooter, ça m'a pas forcément plu, on va dire. Donc j'aimerais éviter, voilà, toutes ces contraintes. Trajet, essence. Alors attendez. On va passer là. Hop. Hop. On va se mettre dans un coin. Poser quelque part. Ah, je vois mon chat qui est en train de descendre de la fenêtre. Mon petit bébé. Mon petit chat, peut-être que vous allez le voir. Est-ce que vous allez le voir? Je m'en fiche un peu de montrer là où j'habite actuellement parce que de 1, je suis pas connue déjà. Je vais pas avoir 40 fanboys qui vont venir. Je suis pas connue et puis je vais partir d'ici de toute façon bientôt. Donc. Mais voilà, là c'est la résidence où je vis actuellement. Et les fenêtres qui donnent sur la verdure. Et mon petit chat. Mon chat qui est parti en courant. Super. Et je pense que le colocataire est encore en train de dormir. Bah, la chasse au chat. Et voyez, je suis passée par cette fenêtre pour partir. Il est où le chat? Il est où Horus? Vous voyez mon bureau. Ah, c'est mon bureau. Donc voilà, je sais pas où il est le chat. Je vais me poser dans un coin là. Ouf. Et voilà. Mon trépied, je pourrais passer par ma fenêtre pour le récupérer, mais bon. Bah non, hélas. J'aimerais bien. Après, j'ai déjà été chamane sur Conan, hein, dans un GN. Est-ce que ça compte? Non, mais c'est vrai que j'ai quand même travaillé dans les jardins. Est-ce que je peux me mettre comme ça? Non. Est-ce que je peux me mettre... Je sais pas, mon trépied, ça m'embête. Attendez. Bon, on dit que c'est pas bien de faire des plans par le bas, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est bon là? C'est pour poser. En fait, vous êtes sur mon genou, c'est pour ça. Ouais, c'est bien. Comme ça. Donc, ouais, j'ai travaillé dans les jardins, j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà été fleuriste aussi.
Donc je suis toujours proche de la nature en quelque sorte. Sur Wu, je suis chamane. Le truc n'a rien à voir. Je suis toujours proche de la nature, même dans les jeux. Je voulais un métier où il n'y a pas toutes ces contraintes de trajet, de patron sur le dos. Alors certes, j'ai des patrons, mais ils sont pas derrière moi. Voilà, faut que je rende des comptes, tout ça, des rapports, des trucs. Faut que je fasse des trucs sur le site, mais j'ai pas le patron qui est derrière moi toujours, ou quelqu'un qui est là pour juger comment je fais. C'est vraiment le travail qui fait que c'est le résultat qui compte et pas comment on y arrive. Et ça, c'est vraiment très agréable en fait. Vous voyez comme c'est calme? C'est ça. Et le fait que je travaille chez moi aussi. Là, j'ai pas encore le logement, mais quand je l'aurai, bah, ma pause, même qui dure 3 heures, bah, j'ai juste à passer une porte et je suis chez moi. Donc je pourrais faire mes montages vidéo, je pourrais faire, je sais pas, de la couture, je pourrais m'occuper de mes plantes. C'est vraiment un gain de temps aussi, et du coup la possibilité de faire plein de trucs à côté. C'est ça. C'est pas un métier qui est prestigieux, incroyable, mais il est pratique pour mon mode de vie et ma façon de travailler. J'ai été assistante dentaire, c'était très intéressant, assistante dentaire, hein. Mais t'es avec des collègues, t'as ton patron qui est. Tu travailles avec ton patron, le dentiste, qui va juger, qui va. Si un truc qui va pas, enfin voilà, c'est un autre stress aussi. Le monde médical, c'est chouette quand même, tu te sens vraiment utile. Mais t'as un stress, une responsabilité aussi de tous ces gens qui, soit qui souffrent, soit qui ont besoin de réponses, soit qui ont, voilà, c'est stress mental quand même assez présent. J'ai plus trop envie de tout ça en fait. Je voulais quelque chose qui me permette de faire des trucs à côté surtout. Déjà je vais avoir la fibre là-bas. Bonjour Kent. Et je pense que aujourd'hui il faut vraiment se trouver un métier, même s'il est pas dingue et même si on gagne pas des 1000 et des 100, bah. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment au niveau de la sérénité en fait. Un métier qui te permet de faire autre chose à côté aussi. Là, je vais pas gagner beaucoup d'argent, mais je sais que je vais gagner du temps déjà. Et que ce temps-là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des activités à côté. Et dans cette entreprise, on ne travaille pas les week-ends, c'est-à-dire que moi, le vendredi soir, si j'ai envie d'aller faire une fête médiévale et de vous emmener, par exemple, eh ben, je pourrais. Je ne serais pas bloquée le samedi matin. Donc il y a pas mal de choses quand même qui... Puis je mettrais des sous de côté, puis j'irai me chercher une ferme. Des petites chèvres, un terrain et zoo. Bah ouais. Oui, ça va, et toi, Kent? C'est la fin du stream, c'est pour ça que je bouge plus trop. Je suis plus trop en travel and outdoor. J'aurais dû mettre chat, mais... Ah bah je viens de saut, j'ai eu beaucoup de pression. Ah ouais. Ah, c'est bien. C'est bien ça, le travail de... Bah il y a un petit... Il y a un petit truc des banisteries, je crois, pas loin. Il y a une scierie là ou je sais pas trop quoi. Ah, il y en a une à Bièvre aussi. Ah, Bièvre. Mais c'est bien ça, le travail artisanat comme ça. C'est ça.
j'ai entendu un bruit, mais je sais pas si c'était un chat ou un grincement de porte. Je sais pas où il est mon bébé, j'aurais bien voulu qu'il vienne me voir, mais il est tellement... tellement sauvage, dès qu'il est dehors, il me reconnaît plus, il reconnaît plus personne, il est en mode on est dehors, c'est la survie totale, alors qu'on est dans une résidence calme. Mais il est toujours comme ça. Là, s'il me voit, il vient pas me voir. Il est en mode, oh là là, un humain. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me veut? C'est un vrai sauvage. Ouais, on fait quelque chose de ces deux mains. Bah moi j'aime bien faire du montage vidéo, même si c'est nul, mon résultat, et ben une petite création qui me plaît bien. Oui. Bah alors moi je suis pas gardienne d'ici. Hein. C'est pas ma résidence ici. Je vis ici pour l'instant, mais c'est pas la résidence où je vais aller. Hein. Oh, si je pouvais avoir une résidence comme ça. Je serais dingue, mais c'est pas du tout. Je vais être gardienne dans une résidence sociale déjà. Ici, on est dans une résidence privée. Pourquoi ça fait un bruit bizarre? Ah, 19. On est à 19% de batterie. Ah, j'ai tout pris. Bah, c'est bien, hein, c'est-à-dire que 2h30 à peu près, c'est à peu près le temps que ça prend à mon téléphone en stream de. Oh, un truc qui me... Ouais. Non, je suis pas gardienne d'ici, hélas. Ça me plairait bien. Elle est très gentille, la gardienne qui est ici. Elle va bientôt finir son métier, d'ailleurs. Elle a 2 ou 3 ans de la retraite. Un stream rentable. Ah oui. À vos souhaits. Mais ouais, mon rêve dans ma vie, ça serait d'avoir un petit bout de jardin quand même. J'aimerais tellement. Après, le problème de ma petite ferme, bah, c'est que j'ai pas le permis. Et ça, c'est un très gros souci. Ça, c'est un véritable souci. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve une ferme qui soit pas loin des transports quand même. D'un train ou de transport. Après, si je dois faire quelques kilomètres à vélo, pourquoi pas, hein. Ou en scoot, j'ai toujours mon scooter. Hein. Après, le problème du scooter, c'est que faut trouver quand même un garage pour l'entretenir. Déjà en Ile-de-France, c'est pas évident d'en trouver partout, donc à la campagne. Ah, c'est bien, bonne chose est faite. Ah, il faudrait que je fasse, mais moi je suis un peu traumatisée. J'avais fait mon code même. Et. Bah, la dernière heure, là où j'avais tout arrêté, on était sur le périphérique de Paris. Et je l'ai très mal vécu, j'ai eu très très peur. Elle m'a dit, passe à 5e. J'ai fait, non, non, j'ai eu trop peur, j'ai eu tellement peur. J'ai pu retoucher un volant de ma vie. J'avais l'impression que j'avais une arme en main. Que j'avais une arme, mais c'est une arme de toute façon. Une voiture, tu peux en tuer des gens avec. Hein. Attention. Mais avec une voiture, je pourrais faire tellement de choses dans la vie. Mais tellement. Je suis en gros plan là, c'est pas bon. Un gros plan du matin. Bon les gens. Le stream est terminé. Ça fait 2h20 qu'on est ensemble. Il n'y a que la première heure qui était qui respectait le titre du stream. Ouais, il faudrait que je le passe en province. Ce serait peut-être mieux. Là, j'avais pris des cours en plein Paris dans le 15e. Enfin, c'est pas évident. Coucou, Dectorus. Fan de Jogo. Un Jogal fan. J'arrive au moment où je vais couper. Il me reste 17% de ma batterie.
Les gens se réveillent doucement. Il n'est que 10 heures. Ben moi, de toute façon, je vais rentrer par ma fenêtre, là encore. Je vais rentrer par ma fenêtre et puis... je vais me mettre sur haut. Ça fait un plaisir, le roi. C'est chouette de se balader dans des endroits où les gens connaissent un peu et ont des bons souvenirs surtout. Et les gens se réveillent. Les gens se réveillent et le soleil tape déjà. Du coup, bah, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Bah oui, le roi. Léo. D'accord. Léo le lion. Et j'hésite à aller dans la chambre et à lancer mon truc de fin, mais on va faire sans. Ah, je suis trop bien au soleil là. Je suis bien. Allez, on va faire la gamers. On va rejoindre WoW. J'ai des quêtes qui m'attendent. Parce que là sur GTA, je peux pas faire de RP parce qu'il faut que je parle en vocal et si ça dort à côté, bah, je suis bloquée. Donc on va faire un truc qui fait pas de bruit. Je sais pas quand est-ce que je pourrais live, c'est le problème parce que là j'ai le colocataire qui a 3 semaines de vacances. Donc il reste à la maison, c'est un enfer, la connexion elle est pourrie quand je suis toute seule, mais alors quand on est deux dessus, c'est pire que tout. J'ai peur que... Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir live. Déjà quand je joue sans live sur GTA, j'ai tendance à passer sous la map à chaque fois. Donc on va voir, voilà. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir suivi malgré vous. Hop, tac, 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 tac. Et bah je vous souhaite un très bon dimanche. Et on va se quitter sur ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Et voilà. Bon dimanche à vous. Merci d'avoir été là. Paix et harmonie.